In edis javarta ratun, alfa dal lira e fase kin, vidir enu inu anor, aferin ilit kerin, e a gara veduio amman, it ilit eria, harnar in atha nesta ban, ai nai uem dire dar, Salut tout le monde, c'est David Zoner, on se retrouve sur Assassin's Creed Origins pour la suite. Bon, comme ça vous devrez m'entendre, enfin j'espère. Ou si vous m'entendez aussi bien qu'avant, voilà. Bon. On va continuer, écoutez. Là, je crois que je suis assez bon niveau pour faire la quête principale, donc. Donc, du coup, on va faire la quête principale.
En fait, elle cherche dans le néant. C'est où, c'est où? Bon, bah on y va. Accélère rien du coup. Non, je vais faire déjà un que j'ai fait. Bon, je les ai pas tous faits, je ferai un. What the fuck? Oh, bah, je veux courir. Ça va passer. Je vais mettre au niveau pour vous, les gars. Je vous ai fait les gars. Bon, ça va, je suis de niveau là encore. Bon, bah, on va aller voir Cléopâtre. Yep, désolé.
Non, je vais pas plonger. En fait, c'est plein de petites îles, en fait. C'est ça le truc. T'as plein de points de vue sur cet endroit, quoi. J'ai plein de points de vue dans le secteur que j'ai pas fait. Voilà. Allez voir Cléopâtre à rien qui est Donc voilà, on y est. Enfin, à quelques mètres. Je vous apporte votre vin. Puissent vos journées. Ah, regardez qui est de retour. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes, et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Bayek, tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi? J'ai deux autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. À propos de Medjay, tu as des nouvelles d'Aya? Aya défend nos intérêts sur les mers. Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre. Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Je t'ai donné deux nouveaux noms, le Chacal et le Scorpion. Ils font partie des proches de mon frère. Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie? C'était les filakès de ton frère? Difficile à dire. Ce Gabignani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. J'espérais les rallier à ma cause. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre,
et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils. Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Septimius est en ville. Le capitaine de ces filaquets se nomme Venator. C'est ma... Bon. On va y aller, hein. Ah, un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends, tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai? Non, j'en suis pas un. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay. Mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le Pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante. Alors ne leur parle pas trop durement. Alors, tu voulais nous parler? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Chut! Ne prononce pas ce nom. Ce n'est qu'un Neketiadet. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. Tout le monde a peur de lui, mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Animé. Venator ne travaille pas seul. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Venator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Les barriques de vin. Je ne sens pas l'odeur de l'huile dans des
barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Des luttes, du fard à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Vénator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. La reine avait raison. Vénator prépare quelque chose. Il me faut plus d'informations. Il manque quelque chose. Ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Vénator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. On a un autre là-bas. J'avais pas envie d'attaquer les autres parce que c'était trop risqué. Thank you.
Bah alors. Voilà. Oh. Aya, mon amour. Bayek. Oh. Ah, tu portes l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis. Parle pas comme ça d'une déesse. Tu es un gardien de l'Égypte. Je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta lampe. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Ne fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Ova. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Tu seras déjà un bon coup. Oh, Cléopâtre, nous sommes les Gabiniani, et l'Égypte nous appartient. Les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette traite. La mort est la seule dignité qui te reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Vache, 150 PV.
Est-ce qu'il va... Garde une place dans la douate pour ton frère Septimius. Hé, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attend sans cesse à mes jours. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Oh, ça va être loin. Ces Gabignani nous ont laissé une felouque. C'est gentil. Septimius est la pire des vermines. C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse. Et Potinus. La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trirème ? Très bien. Phoxidas m'a confié le... Et si on s'offrait l'un à l'autre ? Dans cette barque ? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Égypte t'emmène à nouveau loin de moi ? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjay. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Les hippopotames. Pourquoi t'es tombé, Aya ? Parades. De quoi on parlait déjà ? Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous ? Nous sommes des parents. Nous étions des parents.
Je t'aime, Bayek de Siwa. Je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te casses? Il y a pour que tu descends à chaque fois. La mort flotte dans l'air. Quelle puante. Une terrible odeur de chair. Ce sont des corps. Par les dieux. Le Nil sera rouge pendant des lunes. Osiris va avoir du travail. Ce sont des Romains. Pas les Neketiadettes de Ptolémée? Non. Oh. Ah. Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non. Non, ce n'est pas possible. Où est César? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas. Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous dis ciao ciao et à une prochaine fois. Ciao. Show.
and hands.